Bonjour. Je vais regarder. Bonjour, vous voulez vendre combien les livres? Les mangas, ils sont à 3,50, ils sont à 3 euros unité. 3 euros. Ok, je vais regarder ce que j'ai. Alors, manga, elle est où l'application? Putain, elle est où? Elle est là. Ça, c'est quoi? C'est My Hero, machin. Alors, My Hero. Collection. My Hero. My Hero. Et le 1 jusqu'au 8. 8. Si j'en prends plusieurs, tu me fais un prix ou pas? Ouais, ok, bon, je vais regarder alors. Tiens, c'est bizarre ça, le 1 et le 31. Oui, c'est une édition collector, mais je suis pas arrivé jusqu'à la suite. Mais pourquoi ils ont remis le 1 du coup? C'est un autre, c'est pas la même série, c'est un hors série ou un. Ah, d'accord, ok, parce que je comprenais pas du coup, je me dis là, c'est bizarre. Mettre le 1 avec le 31, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon. Ça, c'est le 1, ça, c'est le 6. Il me semble que jusqu'au 15 ou au 14. 4, 5, 2. 2, 2, 2, 8, je l'ai du coup. Alors 11, je l'ai pas. 12, je l'ai pas. 12, 9, du coup 9, je l'ai pas du coup. 9, 10, 13, 14. 4, 6. Je vais regarder, je ne l'oublie pas. 6, 15, je dis pas du tout. 15, 3, 8, 2. Tu vois, je viens? 8. Ouais. Alors, attends. Est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre là. Je les ai mis mes jeux vidéo, mais ça c'est sûr que je les ai. Peut-être là avec les CD, peut-être non. C'est quoi comme jeu? C'est bon, PS4. Ouais, d'accord. PS2. Bah là, attendez, regardez, c'est pas un jeu de foot ça? C'est un jeu de foot ça. Oui, c'est ça, c'en est un. FIFA. Il est tout seul. Ouais, ça c'est pas des jeux. Non, ça c'est. C'est plus des DVD ça. Hein. Il y avait encore des trucs. Ouais, ouais, ouais. Ok, 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 pas de problème. On cherchait, on cherchait, puis ils sont là. Bah ouais, en plus, et en plus vous l'avez ouvert, en plus, là, on l'a même pas vu. Alors, il y a. Ah, il y a du vieux, ouais, PS3, PS2. C'est que du foot. Cher, bien sûr, le mari, il va venir parce que. Après, moi, le foot, c'est pas forcément mon truc, mais. Ouais. Verdun, ouais. C'est de la guerre. Alors! C'est ceux-là. Ok, bah je vais regarder. Merci à vous. Je vais regarder. Je vous en prie. Je vais regarder ce que ça donne. C'est plutôt des jeux de guerre. Ça. Verdun. Verdun. Oui, ça y est, on les. Vous lui rendez combien les jeux, monsieur? C'est toi qui vois pour tes jeux. Bah, t'avais dit le lot 50. Oui, le lot, mais celui qui veut séparer. Au début, j'avais fait un lot. Quoi. Ah ouais, ouais. Bah, après, il y a tout, il y a du PS2, du PS3, du PS4. Du coup, c'est à nous, donc on sait bien que les jeux sont bons. Ça, 10 euros les deux. 10 euros les deux. Verdun n'a jamais été. Une fois, il l'a essayé, il n'a pas aimé. Et... Ouais. Ils sont neufs, garantie qu'ils sont neufs. Ouais, je me dis. Ouais. 7 euros les deux, ça vous dirait? Ouais, allez, 7 euros ouais, les deux. C'est gentil, merci. Attendez, je vais vous payer.
Bonjour, vous la vendez combien la Switch? 110. Oh. Avec les jeux, je crois. Il y a quoi comme jeu du coup avec? Elle est là la cartouche, monsieur. Ah, elle est là, d'accord. Il n'y a pas la boîte. Ok, d'accord. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, faites attention parce qu'elle prend trop la flotte. Et encore la rose est là. Et c'est surtout que même la boîte, là, tu peux la regarder là sur le côté. Et tu n'as pas, t'as pas la boîte hein, du jeu. La boîte de Pokémon. Non, tu l'as plus. Elle a pris la flotte à fond là. Ouais, à cause de la condensation. Ouais, ouais, c'est chiant. Ça abîme vite les consoles. Ça et le soleil, c'est hyper mauvais. Hein. Ouais. Ah, elle est sympa. Hein. Elle est sympa. Bah, elle est presque neuve, hein. J'ai pas beaucoup joué. Elle est belle. Hein. Ouais, mais du coup, je pensais que c'était l'autre, moi. Du coup, tu sais, je pensais que c'était celle qui valait beaucoup plus, mais coup, c'est pas. 110, c'est ta maman, je pense, qui me l'a dit. Puis elle est toute neuve. Hein, je je le vois, elle est pas mal, hein. Franchement, elle est pas mal. Hein. C'est lequel de Pokémon là? C'est Pérouquet, il me semble. Sword, ah, c'est pas un français? Si, si, mais c'est si. Que, bah, du coup, le jeu, il est en. D'accord, ok. Mais la langue, elle est par défaut en français. Ok. Il y a le t'as pu les cales, les cales. Tu sais, normalement, il y a des cales en carton qui vont dedans. Tu les as pu. Ouais. Je vois, il y a un chargeur là. Ouais. Ah, on peut brancher une manette dessus direct. Ouais. Bonjour, vous voulez vendre combien vos jeux? 5 euros. 5 euros? Ok, ok. Ouais, ok, ok. On passe une vidéo. Hein? On passe une vidéo, il dit. Bah oui, si tu veux, mais si tu veux, tu peux passer, ouais. Ça passe sur YouTube en fait. Sur YouTube? C'est 5 euros pièce du coup? Ouais. Ouais. Après c'est quoi? Bon après c'est souvent les mêmes. Hop, Ratchet. Ouais. Celui-là c'est lequel déjà? On en a trois comme ça. Ouais, il est là. Bah, c'est joué en ligne tu vois alors. Ah oui, je joue en ligne. Chiant ça. Bonjour, hein, vous vendez combien ça? 1 euro. 1 euro? Bah je vais le prendre alors. Ouais. Allez. Alors, est-ce qu'on a un euro? Voilà. J'ai beaucoup de mitraille. Eh ben voilà, il y en a un là. Merci. Merci. Au revoir. Donc ouais, je reste là pour... Oh, les costauds. Mais bon, je te dis, c'est... Ouais, c'est bizarre. Hein. Vous voulez avoir des combien la lampe? Excusez-moi. La lampe, je vais faire un peu. 5 euros? Je vais regarder. Merci. Ouais, on se tient au jus. Allez, salut. Je vais regarder si j'ai de la monnaie parce que je pense pas qu'il y en a d'autres. Je sais pas si vous en avez. Bonjour, vous vendez combien ce qu'il y a dans le bac? 20 centimes. 20 centimes.
Moi, je vais vous en prendre. Je crois qu'il y en a 5. Je vais les poser là pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. S'il vous plaît. Merci. Hop. Ça fait un moment que j'en cherche une en plus. Ouais, ça fait je crois plus de 5 ans que je l'avais. Ouais, bah ça c'est. Mais on n'en trouve pas beaucoup, hein. Et les Underwood, on n'en voit pas beaucoup, hein. Donc c'est bien cool. Tous les intérêts. Bah c'est ça, hein. GTO. Ah non, c'est Young GTO, je ne connais pas ça. Je pensais que c'était. Ils sont trempés. Young GTO. Je connaissais GTO, mais Young GTO, je connais pas. C'est con, il n'y a pas les débuts. Il n'y a pas le début. Bonjour. Bah les GTO là, les Young GTO, je connais pas ça. Les fait 1 euro l'unité. 1 euro pièce, ok. Vous avez pas le début, vous avez que cela. Non, ouais, c'est dommage. En fait, c'est le mec juste devant qui m'a dit que j'avais été fouillé l'année dernière. Ah oui, j'avais été fouillé l'année dernière. Hop, un cube. En plus, il y a même une petite carte mémoire en plus. Ouais, c'est cool. Hein. Tac. Ouais. Celle-là elle est magnifique aussi. Hein. La PS4 elle est trop belle aussi. Hein. Elle est sympa celle-là. Hein. Je l'ai loupée en boîte il n'y a pas longtemps en plus. Ah c'est la Star Wars, j'ai même pas. Ouais, elle est magnifique. Hein. Je l'ai loupé en boîte il y a 2 semaines je crois. Non, vous avez déjà revu ? Ça va. Ouais. Ouais, non. Celui qui m'avait fait la première achat ce matin, il est revenu, il a racheté des trucs. Bah, il y a ton collègue qui est venu. Ah, Seb, ouais, il m'avait dit. Et 200, bonjour. Bonjour. Vous voulez vendre combien les jeux ? Les jeux, ça dépend lesquels. D'accord. Alors, Spider-Man, ce jeu, je connais pas du tout. Un jeu de camion, ça ? Je les ai tous, moi, de toute façon. Il y en a que t'as pas ? Les Fort Boyard. Vous vendez combien, Fort Boyard ? 5 euros. Ok. Bon, et eh ben merci à vous. Merci, bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. C'est un jeu de société. Tu l'as, celui-là ? Il n'est pas celui-là ? Non. Demandez le prix un peu. Je l'ai pas non plus, celui-là. Bonjour. Vous voulez voir des combien les jeux les jeux de société, bon, je sais pas, 2 euros. Non, mais les jeux de PS4 de PS4, 4 euros. 4 euros, ok. T'as un que t'as pas, non? Avec celui-là que j'ai pas. T'as des raisons, moi. C'est bon. À 3, ça vous irait celui-là? Si ça t'intéresse. Ouais, surtout le Metal Gear, ouais. 3 euros, ça va l'argent. Eh ben, merci. Vous avez de la monnaie ? Merde, tu fais tomber des trucs, c'est pas des billets, putain, fais tomber des billets. Tiens, prends ton truc de drogué là. Oui, c'est ce qu'on dit. Hein. Je pèse 4 3 balles, c'est bien. Puis c'est du métallier. Exactement. Ouais. Enfin bref, bon bah je te laisse alors, à plus tard. Alors je vous fais le compte rendu de cette brocante qui avait lieu donc dans la ville de Rouzy. Donc brocante vraiment nulle à chier, très mal organisée, pour laquelle il y avait des trous partout. J'ai pu croiser Julien sur cette brocante Rétro 59.
qui n'a pas trouvé grand chose non plus. De mémoire, Julien, il a trouvé un jeu Pokémon sur Switch et un jeu sur PS4, je crois que c'était Horizon. Donc vraiment, c'était vraiment pas la folie. Il y avait un stand tous les 50 mètres. Et puis en plus c'était à 45 minutes de chez moi, donc c'est ma femme qui a voulu aller exposer là-bas pour faire une petite brocante en famille. C'est très bien, c'est cool. La problématique c'est que bah, en fait j'avais une super brocante juste à côté de chez moi, et puis bah, je l'ai loupée, et c'est d'ailleurs la brocante où j'avais trouvé le Zelda sur Nintendo 64 l'année dernière, et puis la Game Boy aussi en boîte, la Game Boy Color en boîte. J'avais vraiment envie d'aller sur ce vide-grenier. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Donc voilà, j'ai fait cette brocante donc dans la ville de Rouzy. Bon, c'était vraiment nul. C'est pas très logique entre la miniature que vous avez vue et ce que je suis en train de vous expliquer. Mais vous allez comprendre un peu mieux pourquoi. J'ai une grosse déception, mais je suis aussi très content d'un autre côté, puisque bah, l'équipe, parce que je pense qu'on peut nous appeler l'équipe maintenant, Sébastien, Jérémy et moi. Habituellement maintenant on fait les brocantes quasiment tout le temps à trois, et puis bah, cette fois-ci j'ai pas pu la faire avec eux, donc ils l'ont fait à deux, et ils ont trouvé des superbes choses, et je vous l'ai mis dans les images, vous l'avez pu le voir, l'heureux possesseur, nouveau possesseur de cette magnifique GameCube Tales of Symphonia, c'est Sébastien qui a réussi à choper cette console au prix de 130€. Alors il n'y a pas la boîte, mais franchement cette console là dans l'état où elle est aujourd'hui, parce qu'après nettoyage elle est vraiment magnifique, le petit rectangle où on met les manettes GameCube en général il jaunit, là il n'est pas du tout jauni, elle est vraiment magnifique. Et Seb, encore félicitations, je suis vraiment content que tu aies pu la choper. En plus tu nous avais dit que, en tout cas tu avais dit à Jérémy que tu rêvais de la trouver en brocante, et bah c'est fait, tu l'as trouvé en brocante. Alors t'as mis un petit billet, t'as mis 130€, mais franchement pour cette console là je pense que moi je les aurais mis direct aussi, donc félicitations à toi. Donc Sébastien, je crois qu'il a trouvé aussi une PS2 Slim rouge, rose, qu'il a payé 25€ je crois de mémoire, si je dis pas de bêtises. Si en tout cas j'en dis, Sébastien, t'hésiteras pas à mettre un commentaire. Et puis Jérémy qui se fait plaisir aussi avec une Mega Drive à 10 balles, une NES à 5 balles je crois, et puis pas mal de jeux à droite à gauche, donc vraiment une superbe brocante encore une fois. Et puis malheureusement cette fois-ci j'y étais pas, donc je vais vous montrer quand même ce que j'ai rentré. J'ai rentré quelques petites choses, vraiment rien d'exceptionnel, mais en même temps je peux pas me plaindre vu l'année que j'ai faite. Donc je rentre un lot de manga pour mon fils, donc My Hero Academia, donc le numéro 13, le numéro 12, le numéro 10, le 9, le 14, le 11, le 15, et donc une édition entre guillemets collector, on va dire. Ouais, non, c'est une édition collector, c'est carrément marqué dessus. Voilà, donc c'est celle-ci. Voilà, donc qui va comprendre donc le manga avec la jaquette alternative réversible, donc le numéro 31, et puis donc le My Hero Academia Smash 1, qui est ici, du coup, le jaune, là. Ouais, c'est bien le jaune que je vous montre. Voilà, un stand acrylique de 10 cm qui n'est pas là, de hauteur à l'effigie de Katsuki, et puis un Ex Libris qui n'est pas là non plus, mais bon, globalement, j'ai payé tout ce lot. Alors, il y en a combien? 2, 4, 6, 7, 8, 9, les 9 pour 20€, ce qui est un excellent prix. Ça c'est directement pour Mathéo. Ensuite, en jeu vidéo, c'était vraiment en jeu vidéo, c'était la pénurie. Donc j'ai rentré deux jeux pour la somme de 7€ les deux. Je rentre le Air Conflict, qui est un jeu d'avion. Je déteste les jeux d'avion, donc il va dégager tout de suite. Je vais m'en servir pour faire des échanges ou le revendre. Pareil pour Verdun, qui est plutôt un jeu sur sur la guerre, sur la première guerre mondiale, bien évidemment la bataille de Verdun, mais bon voilà, c'est encore une fois le genre de jeu qui va pas m'intéresser, et donc je vais garder en monnaie d'échange, n'en déplaise à certaines personnes, je le ferai quand même. Harry Potter et le Relique de la Mort sur PS3, voilà, il est quasi complet, parce que je crois que normalement il y a aussi un code à gratter pour avoir des DLC, et il ne l'est pas là, mais bon, j'ai payé 4€ le jeu. Harry Potter, c'est pas forcément ce que j'apprécie non plus, donc voilà, ces trois là ce sera des monnaies d'échange ou à la revente. Et ensuite, pour terminer, des figurines. Alors j'ai rentré donc voilà cette figurine de Ghostbuster, voilà, elle ira dans la vitrine. Bon, c'est du Playmobil, c'est pas ce que je préfère, mais bon, pour la vitrine Ghostbuster c'est très bien, franchement il est très bien fait, ça c'est très bien. Pour la bibliothèque, je rentre un Spirou qui va aller directement avec les bouquins de la collection Spirou. Ensuite, je rentre, hop, cette figurine
de Pixar, hein, je crois, de mémoire. Alors, je ne sais plus exactement. Ah, j'ai plus le nom en tête. Bah, vous me le direz dans les commentaires. Je sais plus du tout ce que c'est comme dessin animé. J'avais bien aimé, on s'était bien marré. Dans le dessin animé, d'ailleurs, il y a un paresseux, il y a une scène assez marrante, mais bon, bref. Zootopie, ouais, c'est ça, c'est Zootopie. Un petit Astérix qui, comme le Spirou, va aller alimenter la bibliothèque. Voilà. Alors lui, je sais plus comment il s'appelle, hein, mais c'est l'architecte. Hein, donc dans Astérix Obélix, c'est pareil. Il va rentrer à la collection. Il y a Falbala qui est ici. Une figurine de 2013, hein, donc marquée Goscinny Uderzo. Voilà, c'est pareil, c'est pour la bibliothèque. Et puis un petit Luigi, j'avais pas cette figurine, je crois que c'est les figurines du McDo, je l'avais pas celle-là dans la vitrine. Donc elle va rentrer aussi, j'ai payé les 5 figurines, la somme de 1 euro. Voilà, c'est quasiment terminé. Il y a deux choses à vous montrer encore. J'ai revu Jérémy l'après-midi, et donc Jérémy m'avait pris, avec Sébastien, il m'avait pris ce jeu. Je sais que c'est un jeu qui coûtait pas cher, Black 4 Blood. C'était un jeu qui coûtait, je crois, 9 euros en solde. Ils l'ont rabaissé je ne sais combien de fois. Voilà, mais bon, ils me l'ont chopé pour 3 euros. Voilà, il faut une connexion internet en ligne. Voilà, connexion en ligne. Mathéo a la connexion en ligne. Je sais que c'est un peu son genre de jeu qui va s'éclater dessus. Moi, jouer en ligne, ça m'intéresse vraiment pas. Il n'y a pas de mode hors ligne en plus. Bon, ben, c'est vraiment pas mon truc, mais bon, voilà, pour 3 euros, un jeu de PS5. Je ne peux pas le refuser. Et merci encore les gars d'avoir chopé ce jeu pour moi. Il me reste une dernière pièce à vous montrer qui n'a rien à voir avec la collection de jeux vidéo, de figurines ou de bandes dessinées. Mais c'est quelque chose que je voulais rentrer chez moi pour avoir une, pour mettre ça en déco dans une pièce. Je vais vous chercher ça tout de suite. Donc vous vous demandez certainement ce que c'est. Ça pèse un âne mort. Et je vous la présente, cette magnifique machine à écrire Underwood. Alors bien évidemment, il y a du boulot. Il faut... la dégripper, puis la refaire un petit peu parce qu'elle est un peu rouillée. Mais en tout cas, cette pièce... Oh. Désolé, je la pose, ça pèse un âne mort. Donc pour la petite histoire, cette vieille machine à écrire, ben je l'avais vue sur Internet, sur eBay notamment. Je l'avais vue un peu à tous les prix. Je l'ai vue récemment sur la brocante de mon village à 300 euros, ce qui est quand même... incroyable comme prix et beaucoup trop cher. Il y en a sur eBay, de temps en temps, dans une centaine d'euros, 80 euros. Ça dépend vraiment des moments et ça dépend vraiment des acheteurs et des vendeurs qui seront sur eBay à ce moment-là. En tout cas, moi, je voulais en trouver une à petit budget. Et ben, c'est fait. Et puis, ben, j'en profite pour remercier Julien qui était là, donc Retro 59, qui était là au même moment sur la brocante et qui m'a avancé les 15 balles parce que j'avais plus de liquide sur moi. Donc bah, grâce à lui, j'ai pu la récupérer tout de suite parce que c'est le genre de pièce que j'avais pas envie de laisser traîner au risque de me la faire souffler en allant chercher l'argent quelques mètres plus loin. Donc merci Julien pour ce petit... Ouh, je suis mort.